Salut à tous et à toutes, c'est Batslayer et bienvenue dans cette première vidéo présentation qui, comme vous pouvez le voir, va concerner le coffret Batman, la cour des hiboux, volume 1, donc de l'issue 1-7, plus le masque de hibou. Donc j'en avais parlé dans mes autres vidéos que ça serait la première vidéo présentation. Donc il est là, je l'aurais reçu lundi finalement. Je sais pas si vous aurez la vidéo lundi par contre, mais donc voilà. Mais donc il est là, donc on va procéder au petit déballage. Bon, par contre je préviens, c'est ma première vidéo présentation, hein, donc j'ai pas encore vraiment trouvé de moyen pour faire une caméra fixe, donc là je suis obligé de prendre la caméra à la main. Donc voilà, je suis désolé. Donc alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a donc un très beau. Ça a l'air plutôt bien pour l'instant. Enfin, à vue d'œil, c'est plutôt beau. Donc voilà, ça c'est le côté de la boîte. Voilà, plutôt classe. La cour des hiboux. Donc là, vous avez le dos de la boîte. Voilà. Bon, très basique, hein, voilà, vous voyez le contenu. Hein. Donc le TPB, c'est pas un hardcover malheureusement, c'est un peu dommage, mais bon, c'est qu'un TPB, donc c'est souple. Plus le masque de hibou. Donc voilà, donc on va essayer de déballer ça sans trop d'ennui. Voilà. Donc alors. Hop. Désolé là pour le moment, hein, c'est un peu. Mais comme je vous dis, c'est ma première vidéo. C'est vraiment fait à l'arrache. Voilà. Donc comme vous voyez, je viens vraiment de la recevoir. Hein, c'est. Ah là là. C'est galère. Voilà. J'enlève le plastique. Bon, je vais devoir poser la caméra. Je suis désolé, j'aime pas faire ça. Voilà, c'est très vite repris. Je suis désolé. C'est vraiment un peu fait à l'arrache. Hein. Je suis vraiment désolé. Mais je peux pas faire mieux pour l'instant. Donc voilà. Donc voilà la boîte. Ce que ça donne. Bon, c'est toujours pas déballé, donc ça sert un peu à rien ce que je fais. Voilà. Donc c'est plutôt beau, hein, comme j'ai dit. Donc hop, on va procéder. Déballage cette fois. Donc alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, donc le masque, j'y reviendrai plus tard parce que c'est un peu le pourquoi du comment. Et là vous avez donc le TPB de Batman, donc voilà, c'est très basique, hein. On voit rien du tout là, ça va pas du tout. Donc voilà, une très belle image par Calculo. Après, qu'est-ce qu'on a? Voilà. C'est un peu intéressant. Donc c'est un comics VO, hein, au cas où je l'ai pas dit. Donc voilà, je vais éviter de tout montrer. Bon, même s'il y a un peu prescription, vu que le truc est sorti quand même il y a assez longtemps. Mais c'est pas non plus une raison pour tout montrer. Voilà, donc bon, ça a l'air. C'est comme en VF, hein, mais bon. Bon, voilà, c'est. Au moins, je l'aurai en double. Donc, je vous fais le tour. Oh, je m'attendais à quelque chose de moins classe que ça, comme. C'est plutôt bien, c'est souple, mais. Mais ça passe, quoi. C'est. Ça fait son travail pour. Voilà. Donc, ça viendra se rajouter à ma collection. Donc, un très très bel objet, je trouve. Enfin, un très très bel objet. Un bel objet. Je préfère mon édition urbaine parce que c'est un relié. Donc forcément c'est un peu mieux d'avoir un relié, mais voilà, donc c'est un très beau un beau comics, voilà. Donc voilà, et ensuite on va passer quand même à ce qui est important, parce que vous allez me dire, voilà, donc le masque de hibou. Alors bon, ouais, c'est plutôt bien. Mais je m'attendais à mieux. Je vous cache pas que je m'attendais à mieux. Ça fait vraiment plastique tout mou, là, vous voyez. Enfin, c'est pas très dur. Donc là, vous avez le... Ouais, ça fait quand même assez... Bon, voilà, en même temps, au prix que ça coûte, ça m'étonne pas, parce qu'ils vont pas nous faire un truc non plus, mais... Mais bon, ouais, non, c'est plutôt beau, hein. C'est satisfaisant, c'est plutôt pas mal. Donc je préfère prévenir, vous ne me verrez pas mettre le masque, hein, je ne mettrai pas le masque parce que ça va faire... Déjà je vais galérer parce que faudra que j'arrête la caméra, enfin ça va être n'importe quoi. Donc voilà, donc on va faire un petit truc comme ça. Bon attendez, je vais essayer de faire une présentation un peu près correcte parce que c'est pas le tout de... Attendez, voilà,
ça va tomber tout ça. Voilà. On espère que ça tombe pas, que ça reste. On y croit, on y croit. Donc écoutez, voilà, ça sera tout pour cette première vidéo présentation qui s'est fait vraiment à l'arrache, j'en conviens. Mais normalement, donc, ça sera mieux la prochaine fois, hein, je vous le promets. Faut que je trouve un moyen de faire tenir l'objectif, quoi. Parce que pour l'instant, c'est pas très classe tout ça. Donc voilà, donc un plutôt bon coffret, sachant que je l'ai eu pour 18 euros. Donc voilà. Le masque est plutôt beau, sans être non plus un masque de ouf, hein, mais le masque est plutôt réussi, donc voilà. Ça aurait pu être pire, quoi, ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux aussi, donc, mais bon. Et puis voilà, donc moi je l'ai eu au prix de 18 euros, bon après ça dépend des endroits où vous l'aurez, mais pour 18 euros je trouve ça très très honnête. Après, pour un autre prix, c'est quand même un peu plus discutable, je pense, hein. Voilà. Donc écoutez, bah moi je vous dis à la prochaine. Donc pour normalement il y aura des vidéos sur les chroniques HS le bilan de la New York Comic Con, etc. Et la prochaine vidéo présentation, ça sera peut-être même pas le coffret Arkham Origins édition collector, ça sera peut-être le coffret Ultimate Trilogy The Dark Knight. Voilà, normalement il sort le 23 octobre, normalement je l'aurai le jour de sa sortie. Donc je l'aurai, ça sera sûrement ça la prochaine vidéo présentation. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Allez. A plus.